Effectivement, on a commencé MultiWinPlan, donc le concept, en septembre 2014. Le démarrage technique du développement, bien qu'on ait fait du développement, je dirais, de brevets, etc., etc., avant, mais le démarrage technique du développement de Citibank, qui est notre premier projet, c'était environ mois de mai 2015. Il a mis plus de temps que prévu, mais il n'empêche qu'en septembre 2016, nous étions quand même sélectionnés au CES de Las Vegas. Ça veut dire quand même que le produit que nous avons choisi pour lancer ce concept prouve sa qualité. Et il a en plus prouvé sa qualité en octobre, puisque nous avons reçu deux awards par le CES. Donc les voilà, ça a été mis en scène en très grand à Paris le 25 octobre lors du CES Inveld. Et donc, ceci nous a permis d'être vraiment visibles partout. La petite histoire, c'est que pratiquement dans la foulée, des distributeurs qu'on ne connaissait pas sont venus nous voir pour demander la distribution du produit, tant en France qu'en Europe, même aux États-Unis d'ailleurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons énormément de contacts qui attendent effectivement des contrats, ou on a déjà signé des contrats de distribution avec différentes structures très importantes dont on parlera après. Donc voici en gros ce qu'on a fait. Donc nos équipes actuellement travaillent énormément sur la mise en place de tous les outils dont on a besoin pour le CIS au mois de janvier, ce qui prend beaucoup de temps, mais c'est extrêmement rentable dans la mesure où finalement notre travail commercial est égal à notre présence au CES. On a toujours un certain nombre de, par exemple, de journalistes aujourd'hui qui nous demandent des interviews. D'ailleurs, vous allez bientôt en avoir, enfin, juste avant le CES, sur la télévision française. Grande chaîne, je ne vous dirai pas laquelle pour l'instant, qui présente le produit, qui nous présente nous. Il va y avoir d'autres articles de presse, y compris dans des revues scientifiques, qu'on va vous annoncer très bientôt, et ainsi de suite. Donc, le premier essai Citibank est vraiment un gros succès. Donc, d'un côté, on a les fabricants suisses, français, américains de montres qui sont évidemment intéressés, avec lesquels nous dialoguons et qui ont des précommandes sur le produit. Nous avons le marché de la distribution électronique, donc Darty, Boulanger, Orange, BHV, Nouvelle Galerie, etc. Le etc., c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, environ 80% des points de vente potentiels en France sont couverts par les différents distributeurs. On a Amazon Shop. Il n'y a pas que lui, l'un des plus gros aussi dans les produits techniques qui s'appelle LICK, LICK, va distribuer le produit aussi. On a les horlogers bijoutiers à travers plusieurs chaînes d'horlogerie bijouterie qui vont distribuer ce produit. Donc on est absolument dans un trend fabuleux. Bien sûr, on ne peut pas lancer un produit n'importe comment. On est toujours extrêmement, comment dire, attentionné sur l'aspect technologique et design du produit pour qu'il n'y ait aucun flop sur l'acceptation du produit en magasin. Mais il n'empêche qu'on a réestimé le marché, alors tant en Europe qu'en Amérique du Nord, mais il n'y a pas que là, il y a aussi l'Europe du Nord, la Russie, l'Asie du Sud-Est, puisqu'on commence à avoir des distributeurs qui sont venus nous voir, donc essentiellement sur l'Amérique, l'Europe du Nord d'un côté et de l'autre sur l'Asie du Sud-Est. Sur lesquels nous avons déjà des rendez-vous, soit au CIS, soit encore avant, en allant directement les voir. Entre autres, par exemple, aux États-Unis, l'un des plus connus, qui est Walmart, va distribuer le produit. Donc, c'est quand même une visibilité nationale, enfin, dans chaque pays, ce qui pour nous est fondamental. En même temps, chacun de ces distributeurs, selon leur type, peut
diffuser d'autres produits. Donc, certains nous ont déjà demandé s'ils pouvaient diffuser WeSurf quand il sortira, Fuji quand il sortira, et finalement, tout produit qui rentre dans leur gamme, évidemment, un bijoutier ne va pas vendre du Fuji, mais si quelque chose rentre dans leur gamme, ils le vendront. Et donc, on a déjà acquis finalement notre réseau de distribution, tant en Amérique, en Europe qu'en Amérique du Nord. Alors, effectivement, si on revient à l'historique, et la petite success story de Citibank, c'est 2 400 membres de MultiWinPlan pour la partie américaine, un peu moins de 1 000 pour la partie Europe du Sud, qui ont cru au concept, adhéré à MultiWinPlan et souscrit au projet. C'est aussi simple que cela. Ensuite, nous, on a pris les choses en main pour le développer. Voilà. Ils ont effectivement souscrit 149 ou 299 dollars. Et ils ont commandé en précommande un Citibank au prix préférentiel pour être éligible à recevoir des royalties sur les ventes. On a été un peu rapide là-dessus, mais maintenant le produit. Alors, il faut vous donner quand même une information importante. La première chaîne de production qui va sortir, donc les premiers produits à livrer auprès de nos clients, c'est fin de semaine prochaine. Que reçoivent les membres MultiWin en retour? Un bonus que vous connaissez pour les gens qui développent leur réseau et tous les autres, des royalties basées sur les ventes mensuelles de Citibank en Amérique du Nord pour cette marche, pour cette campagne-là pendant 3 ans. Ça veut dire quoi en volume? Ben, c'est très simple. Nous considérons qu'au-delà de 40 000 ventes par mois sur une zone comme les États-Unis, chacun aura son maximum de royalties. On revient sur le niveau de revenu de chaque membre que vous connaissez tous, hein, à savoir que pour 149 dollars, le total sur 3 ans est de 5 364. Avec 299 dollars sans filleul, le maximum est de 10 765. Et ceux qui ont des filleuls, tout dépend de leur lignée. Mais ça peut aller jusqu'à 50 000 dollars mensuels. Tous les revenus sont basés sur des ventes réelles. Donc effectivement, si on ne fait pas de vente, on ne peut pas inventer de l'argent qu'on n'a pas. Dès qu'il y a des ventes réelles, eh bien, on distribue les revenus tels que c'est prévu dans chaque contrat. Et payer chaque fin de mois, donc plutôt début du mois suivant, en fonction du nombre de produits livrés chez nos clients. Donc la première donc qui sera payée, ben là on est quasiment, donc on livre les premières pièces et ainsi de suite. Donc on a un premier paiement qui a lieu début du mois de décembre pour les ventes novembre. Pourquoi MultiWin plan? Eh bien, parce que chaque membre peut répéter le processus de multiples fois, se créant ainsi un revenu régulier et en croissance. Donc, on offre l'opportunité de générer des revenus en provenance de sources multiples, primes, royalties, bientôt beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire qu'on cherche toujours de nouvelles solutions pour aller plus vite et plus loin. Donc, effectivement, si un jour vous avez par exemple 12 projets en cours avec 299 dollars chacun qui se vendent normalement, ben, vous avez 43 000 dollars sans filleul et 250 000 dollars avec 6 filleuls par exemple direct et environ 35 dans votre lignée. Donc, effectivement, il faut considérer cela comme être, je dirais, partenaire ou actionnaire de chaque projet pendant un certain nombre d'années, au même titre qu'on peut être actionnaire de Google ou d'autres sur le marché.